terrible, population a vive, mais pas un secours. Ancien secrétaire d'État, ancien ministre, ancien colonel Imner Rebu, estimé appel ministre justice de facto a lancé par les citoyens, c'est pour défendre tête yo contre bandits qui surarmés, montré à clair d'après ça dit Ariel Henry n'a cité avec ministre justice Emily Prophète, c'est deux criminels. C'est ça ancien colonel a déclaré dans interview par Radio Kiskeya. Ancien secrétaire d'État sécurité publique là déclaré depuis le gouvernement de facto qui pas même gagné un plan pour couper action gang yo te mandé force étrangère pour envahir pays a et il pas étonné pour aucun zak malhonnête équipe Ariel Henry a commettre dans tête pays a n'a tendé ancien ministre ancien secrétaire d'État et Imler Rebu et colonel qui t'ai parlé comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoy même ministre il était signé en papier côté il était là moi il était dit charge lui prend responsabilité là pas capable c'est pour force étrangère vienne débarquer vienne résoudre problème que pile associé qui mettait au pouvoir la population a subi il était déjà dit il pas capable si je dis à lui dit tout le monde dégager au couloir qu'on est parce que il a l'impression que mon lui demande pour venir porter le secours gain là pas veut venir ou pas venir donc c'est pas une information nouvelle. Le ministre a tout simplement dit, lui-même, il a assuré la sécurité tête li. Bon, en tout cas, c'est ça le supposé. Parce que Jovenel, te gen moun, te sûr que il t'a assuré la sécurité tête li tout. Comme sécurité pas assuré, li gen la police qui a bal sécurité, li gen bodyguard. Donc, le même problème pas la résoudre. Li dit l'autre population dégage au courant qu'on a. C'est pas rien. C'est depuis la retirée, le mandat des forces étrangères pour venir. Sans que pas même capable de qui ça pour dire forces étrangères, qui ça pour yon mandé, qui stratégie yon capable mener, qui plan yo gagnent et dans qui parti y a plein d'étrangers pour collaborer avec eux donc c'était tout clair avec nous donc c'est pas une information nouvelle qui conséquence une déclaration comme ça bon côté l'État qui doit gagner monopole violence légitime bon aucune conséquence sauf que population pas jam joindre de monde qui est insouciant dans point ça mais qui sincère tout yo dit y a touché pour un bagage que yo pas qu'on fait que yo pas cap fait que yo pas voulait faire parce que c'est pas parce que mon ministre c'est plus même côté au compte tout bagage justement et parce que l'État connaît que comme ministre ou gain doit pas contre toute bagaille y a bonne possibilité pour prendre cabinet pour prendre consultant de monde qui capable éclairer dans domaine qu'on pas tellement maîtriser sur le plan technique et laisse ça ou même ou capable prendre des décisions sur le plan politique y a dit que y a pas gain volonté pour résoudre problème là alors pensez vraiment en Haïti pas gain aucun monde qui gain intelligence qui gain connaissance science savoir pour contrer ça qu'a fait là bon monde qui a fait Dieu qui a fait tout ça, c'est des mouns importés. Bien sûr, nous connaissons deux, trois importés parmi nous. Mais quand même, bandit qui a fait trois, qui a fait ça, c'est pas haïtien, oui. Le grand pile haïtien qui continue pour faire mal, et puis pas aucun haïtien qui continue pour contre carré, ni Ariel Henry, ni madame Naxien Papia, c'est deux criminels qui choisissent par omission ou par action, dix populations que tribulation a subi là, pas gardé, parce que l'homme garde Ariel Henry, le la déplacé ou elle, pas de problème de sécurité lui-même, ni madame nan tout. Donc, c'est deux inconscients, insouciants, méprisants, qui d'abord méprisent les gens, qui sont capables de gérer un pays comme ça et faire ça ou faire, dire ça ou dire. Il n'y a pas de ni blanc, ni monde qui peut être dans le job là, dans la bêtise, et avec toute population haïtienne, mais ils comptent très bien qui ça pour eux faire, pour eux porter, l'un et aider la population sortir dans sa lié là, même si blanc pas venir directement. Voilà, ancien colonel Imner Rebu, dirigeant Gréa, qui déclarait même Jean, gouvernement de facto a utilisé la cité Madame Aniga pour monter HCTA. C'est comme ça, il nommé 8 juges dans la Cour de cassation des de la loi. Ancien ministre sport là, Imner Rebu déclaré gouvernement de facto a pas gain aucun plan pour sortir pays dans trouf côté de trouver journée jodi. N'attendait toujours dirigeant Gréa qui fait partie d'une plateforme 8 partis politiques qui est parlé comme ça toujours dans micro Vladimir Maurice Ridoy. Toi ka bagay yo siyen se menti et les absi yo konse yo konnen se menti l'opre ba accepté remonté a alors l'opre pou y a même cour de cassation yo formé a alors c'est yo pi sot nan pays a konn yo pas kap nommé des juges à la cour de cassation dans condition ça yo c'est yo même qui pi sot non y a pi même gens ou utilisé madame Maninga pour monter bagay yo les acheter crédit a c'est même gens yo pri joine de moun qui accepté al prendre poste juge dans cour de cassation pour yo la plus haute instance judiciaire du pays.
Dans condition ça yo et trois calades ce sont des avocats chevronnés. Yo connaît très bien condition qui mène yo là à peine n'importe étudiant deuxième année doit casser toute décision yo prend. Yo connaît très bien. Mais yo rentré en dedans vague capene patra parce que yo croit que peut-être yo capable servir pays à c'est un bagage de désespoir pour que yo fait quelque chose. Mais yo connaît ça yo faire pas ça. Ariel Henry connaît tout ça la faire pas ça. Il pas faire un bagage te relé 11 septembre déjà que le publié dans moniteur, il pas faire un autre faux bagage que le relé 20 décembre que le publié dans moniteur, même papier yo te mandé intervention étrangère yo te publié dans moniteur tout. Donc ce sont des inconsciences cyniques qui dit nous que bagage n'a souffert n'a plevé pas tellement gardé. Voilà, c'est dirigeant gré ancien colonel Inerbu dans Miko Vladimir Maurice ridoré sous conjoncture politique là. Population a vive mais pas gain secours. Ancien secrétaire d'État, ancien ministre, ancien colonel Inerbu estimé appel ministre justice de facto a lancé by citoyen yo, c'est pour défendre tête yo contre bandi qui surarmé yo, montré à clair d'après ça dit Ariel Henry n'a cité ak ministre justice ya Emily Prophète, c'est deux criminels. C'est ça ancien colonel a déclaré dans interview by Radio Kiskeya. Ancien secrétaire d'État sécurité publique là déclaré depuis le gouvernement de facto qui pas même gagné un plan pour couper action gang yo te mandé force étrangère pour envahir pays a et il pas étonné et pour aucun zak malhonnête équipe Ariel Henry a commettre dans tête pays a n'a tendé ancien ministre ancien secrétaire d'État et Imler Rebu et colonel qui t'ai parlé comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoué même ministre il était signé en papier côté il était relé moi il était dit charge lui prend responsabilité là pas capable c'est pour force étrangère vienne débarquer vienne résoudre problème que pile associé qui mettait au pouvoir la population a subi il était déjà dit il pas capable si je dis à lui dit tout le monde dégager au coup qu'on est parce que il a l'impression que monde lui demande pour venir porter le secours gain l'air pas veut venir ou bien pas venir. Donc c'est pas une information nouvelle. Le ministre a tout simplement dit lui-même lui capable assurer sécurité tête li. Bon en tout cas c'est ça le supposé parce que Jovenel te gen moun te sûr que il t'a pas assuré sécurité tête li tout comme sécurité pas assuré, li gen la police qui bal sécurité, li gen bodyguard. Donc le même problème pas la résoudre, li dit l'autre population dégager au connait. C'est pas rien, c'est depuis les relèvement des forces étrangères pour venir. Sans que pas même capable prendre qui ça pour dire forces étrangères, qui ça pour demander, qui stratégie capable mener. Qui plan yo gagnent et dans qui parti y a plein d'étrangers pour collaborer avec eux donc yo était tout clair avec nous donc c'est pas une information nouvelle qui conséquence une déclaration comme ça bon côté l'état qui doit gagner monopole violence légitime bon aucune conséquence sauf que population pas jam joine de monde qui est soucieux dans point ça mais qui sincère tout yo dit y a touché pour un bagage que yo pas compte fait que yo pas cap fait que yo pas vle faire parce que c'est pas parce que mon ministre c'est puis même côté au compte tout bagage justement et parce que l'état connaît que comme ministre ou gen doit pas contre toute bagaille yo bon possibilité pour prendre cabinet pour prendre consultant de moun qui capable éclairer ou dans domaine qu'on pas tellement maîtriser sur le plan technique et laisse ça ou même ou capable prendre des décisions sur le plan politique yo dit que yo pas gen volonté pour résoudre problème là alors pensez vraiment en Haïti pas gen aucun monde qui gen intelligence qui gen connaissance science savoir pour contrer ça qu'a fait là bon moun qui a fait bandit, qui a fait tout ça, c'est des mouns importés. Bien sûr, nous connaissons deux, trois importés parmi nous. Mais quand même, bandit qui a fait trois, qui a fait là, c'est pas haïtien, oui. Le grand pile haïtien qui continue pour faire mal, et puis pas aucun haïtien qui continue pour contre carré, ni Ariel Henry, ni madame Naxien Papia, c'est deux criminels qui choisissent par omission ou par action, dix populations que tribulation a subi là, pas gardé. Parce que l'homme garde Ariel Henry, l'homme. La déplacer ou elle, pas de problème de sécurité lui-même, ni madame nan tout. Donc, c'est deux inconscients, insouciants, méprisants, qui d'abord méprisent les gens, qui sont capables de gérer un pays comme ça et faire ça ou faire, dire ça ou dire. Il n'y a pas ni blanc, ni monde qui peut être dans le job là, dans la bêtise, et avec toute population haïtienne, mais on compte très bien qui ça pour faire, pour porter l'un et aider la population sortie dans sa lié là, même si blanc pas venir directement.
Voilà, ancien colonel Inerebu, dirigeant Gréa, qui déclarait même Jean gouvernement de facto a utilisé la cité Madame Aniga pour monter HCTA. C'est comme ça qu'il nommé 8 juges dans la Cour de cassation des de la loi. Ancien ministre sport là, Inerebu déclarait gouvernement de facto a pas gain aucun plan pour sortir pays dans trouve côté de trouver journée jodia. N'attendait toujours dirigeant Gréa qui fait partie d'une plateforme 8 partis politiques qui est parlé comme ça toujours dans micro Vladimir Maurice Ridoué. Toi cabaret yo signé c'est menti et les absi yo connaissent c'est menti l'ombre ba accepté remonté alors l'ombre pour y a même cour de cassation formé alors c'est eux qui sortent dans pays a qu'on n'ont pas cap nommer des juges à la cour de cassation dans condition ça yo c'est eux même qui sortent non il y a plus même gens ont utilisé madame Maninga pour monter bagay yo les acheté crédit a c'est même gens yo pris joindre de monde qui accepté à prendre poste juge dans cour de cassation pour yo la plus haute instance judiciaire du pays dans condition ça yo et trois calades ce sont des avocats chevronnés yo connaît très bien condition qui mène yo là à peine n'importe étudiant deuxième année doit casser toute décision yo prend yo connaît très bien non yo rentré en dedans vague capene patra parce que yo croit que peut-être yo capable servir pays à c'est un bagage de désespoir pour que yo fait quelque chose mais yo connaît ça yo faire pas ça Ariel Henry connaît tout ça la faire pas ça il pas faire un bagage te relé 11 septembre déjà que le publié dans moniteur il pas faire un autre faux bagage que le relé 20 décembre que le publié dans moniteur même papier yo te mandé intervention étrangère yo te publié dans moniteur tout donc ce sont des inconsciences cyniques qui dit nous que bagage n'a pas pas tellement gardé. Voilà, c'est dirigeant Gré, ancien colonel Inerebu dans Miko, Vladimir Maurice Ridoré sous conjoncture politique. La population a vive, mais pas de secours. Ancien secrétaire d'État, ancien ministre, ancien colonel Inerebu, estimé appel ministre justice de facto à lancer by citoyen yo, c'est pour défendre tête yo contre bandit qui surarmé yo, montré à clair d'après ça dit Ariel Henry n'a cité ak ministre justice ya Emily Prophète, c'est deux criminels. C'est ça ancien colonel a déclaré dans interview by Radio Kiskeya, ancien secrétaire d'État sécurité publique là, déclaré depuis le gouvernement de facto qui pas même gagne un plan pour couper action gang yo te mande force étrangère pour envahir pays a et il pas étonné pour aucun zak malhonnête équipe Ariel Henry a commettre dans tête pays a n'attendé ancien ministre ancien secrétaire d'état et Himmler Rebu et colonel qui t'ai parlé comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoué même ministre il était signé en papier côté littéral moi il était dit charge lui prend responsabilité là pas capable c'est pour force étrangère vienne débarquer vienne résoudre problème que pile associé qui mettait au pouvoir la population a subi il était déjà dit pas capable si je dis à lui dit tout le monde dégager au coulo qu'on est parce que il gagne impression que moun li demande pour venir porter le secours gagne là ou pas veut venir ou veut pas venir c'est pas une information nouvelle. Le ministre a tout simplement dit, lui-même, lui, qu'a assuré la sécurité tête, lui. Bon, en tout cas, c'est ça le supposé. Parce que Jovenel, t'es gagné, moun, t'es sûr que t'as assuré la sécurité tête, lui, tout. Comme sécurité pas assuré, lui, gagné la police qui a bal sécurité, lui, gagné bodyguard. Donc, le même problème pas la résoudre. Lui dit, l'autre population dégagée au courant qu'on est. C'est pas rien. C'est, depuis la retirée, les mains des forces étrangères pour venir. Sans que pas même capable de prendre qui ça pour dire forces étrangères, qui ça pour y demander, qui stratégie est capable de mener, qui plan yo gagnent et dans qui parti y a plein d'étrangers pour collaborer avec eux donc yo était tout clair avec nous donc c'est pas une information nouvelle qui conséquence une déclaration comme ça bon côté l'état qui doit gagner monopole violence légitime bon aucune conséquence sauf que population pas jamais joindre de monde qui est insouciant dans point ça mais qui sincère tout yo dit il y a touché pour un bagage que yo pas compte fait que yo pas cap fait que yo pas veut faire parce que c'est pas parce que mon ministre c'est puis même côté au compte tout bagage justement et parce que l'état connaît que comme ministre ou gain doit pas contre toute bagaille yo bon possibilité pour prendre cabinet pour prendre consultant de monde qui capable éclairer dans domaine qu'on pas tellement maîtriser sur le plan technique et laisse ça ou même ou capable prendre des décisions sur le plan politique yo dit que yo pas gain volonté pour résoudre problème là alors pensez vraiment en Haïti pas gain aucun monde qui gain
intelligence, qui gagne connaissance, science, savoir pour contrer ça qu'a fait là. Bon monde qui a fait bon Dieu, qui a fait tout ça, c'est des monde importé. Bien sûr nous connaissons deux trois importés parmi nous. Mais quand même, bon Dieu qui a fait trois cabaret qui a fait là, c'est pas haïtien, oui. Le grand pile haïtien qui continue pour faire mal et puis pas aucun haïtien qui continue pour contrer carré ni Ariel Ri, ni madame Nancyen papier. C'est deux criminels qui choisissent par omission ou par action, dit population que tribulation a subi là, pas gardé. Parce que l'homme gardé hier, l'homme déplacé, ou elle, pas de problème de sécurité lui-même, ni madame n'a tout. Donc, c'est deux inconscients, insouciants, méprisants, qui d'abord méprisent les gens, qui sont capables de gérer un pays comme ça et faire ça, ou faire, dit ça, ou dire. Il n'y a pas ni blanc, ni monde qui peut être dans le job là, dans la bêtise, et avec toute population haïtienne, mais on compte très bien qui ça pourrait faire. Pour ta cap porter l'eau et des populations sorties dans sa lié là, même si blanc pas ta vini directement. Voilà, ancien colonel Inerebu, dirigeant Gréa, qui déclarait même Jean, gouvernement de facto a utilisé la cité madame Aniga pour monter HCTA. C'est comme ça, il nommé 8 juges dans la cour de cassation des de la loi. Ancien ministre sport là, Inerebu déclaré gouvernement de facto a pas gain aucun plan pour sortir pays dans trouve côté li trouvel journée jodia. N'attendez toujours dirigeant Gréa qui fait partie d'une plateforme 8 partis politiques qui est parlé comme ça toujours dans micro Vladimir Maurice Ridoué. Toi cabaret yo signé c'est menti et les absi yo connaissent c'est menti l'opre ba accepté remonté alors l'opre pou y a même cour de cassation au formé alors c'est le plus sort dans pays a qu'on n'ont pas cap nommer des juges à la cour de cassation dans condition ça yo c'est eux même qui plus sort non il y a plus même gens ont utilisé madame Maninga pour monter bagay yo les acheté crédit a c'est même gens yo pris joindre deux monde qui accepté à prendre poste juge dans cour de cassation pour yo la plus haute instance judiciaire du pays. Dans condition ça yo et trois calades ce sont des avocats chevronnés yo connaissent très bien condition qui mène yo là à peine n'importe étudiant deuxième année doit casser toute décision yo prend yo connaissent très bien non yo rentrer en dedans vague cap peine patra parce que yo croit que peut-être yo capable servir pays à c'est un bagage de désespoir pour qu'yo fait quelque chose mais yo connaissent ça yo faire pas ça Ariel Henry connaît tout ça la faire pas ça il pas faire un bagage te relé 11 septembre déjà que le publié dans moniteur il pas faire un autre faux bagage que le relé 20 décembre que le publié dans moniteur même papier yo te mandé intervention étrangère yo te publié dans moniteur tout donc ce sont des inconsciences cyniques qui dit nous que bagage n'a pas pas tellement gardé. Voilà, c'est dirigeant Gréa, ancien colonel Inerebu dans le micro Vladimir Maurice Ridoué sous conjoncture politique. Là.